Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et dans cette vidéo nous allons apprendre à appliquer une texture transparente sur un objet de la vieuxporte. Pour cette vidéo j'ai décidé de choisir un plane tout simplement parce que c'est l'objet idéal pour ce genre de situation. Pour commencer nous allons supprimer le cube de base en appuyant sur la touche delete du clavier. Ensuite on va sélectionner la caméra étant donné que nous n'allons pas faire de rendu. On va également appuyer sur la touche delete du clavier. Par la suite, on va appuyer sur la touche 1 pour se placer en vue de face. On va faire Shift A dans les mèches. On va sélectionner un plane. Pour notre plane, on va faire une rotation sur l'axe des X en appuyant R, X de 90 degrés. Ensuite, on va scaler notre plane de manière générale. Et ensuite, on va scaler notre plane sur l'axe des Z. Raison pour laquelle on va appuyer sur la touche S, Z. Comme ceci. Ensuite, on va aller dans le shading. Dans le shading, on va créer un nouveau matériel en cliquant sur New. Ensuite, on va venir ici sur Add, Texture, et ensuite Image, Texture. Nous allons connecter la sortie Color de l'image Texture avec l'entrée Base Color du principal BSGF. Ensuite, on clique sur Open, on part sur le bureau et on sélectionne notre image PNG. Ceci étant fait, on va aller dans Add, Shader, et ensuite on va importer le shader qui va nous permettre de faire notre transparence, qui est bien sûr le transparence BSGF. Ici nous avons le transparence BSGF qui est un shader, et ensuite nous avons le principal BSGF qui est un shader. Afin de fusionner ces deux shaders, nous allons utiliser le mix shader, raison pour laquelle on vient toujours dans shader et ensuite on importe un mix shader. Nous allons connecter la sortie BSIR du transparence avec shader ici. Ensuite la sortie BSIR du principal BSIF avec l'entrée shader du mix shader. Ensuite la sortie du mix shader avec la surface du matériel output. Ceci étant fait, on va aller dans les paramètres des matériaux. Au niveau du blend mode, on va changer la valeur opaque afin de mettre l'alpha blend. Et ensuite, pour terminer, nous allons connecter l'alpha de l'image texture avec le facteur du mix shader. Et voilà. Nous venons ainsi d'appliquer une image transparente sur notre plane. Pour les raisons d'affichage, nous allons modifier l'HDRI afin de mettre celle-ci. Ensuite, nous allons revenir dans le layout. Dans le layout ici, on va cocher là. Ensuite, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu. Nous allons cocher de bloom étant donné que c'est une flamme. Nous voulons un peu de bloom autour de notre flamme. Nous allons décocher ici, nous allons dérouler cette liste et ensuite nous allons augmenter l'intensité du bloom. À présent, si on se place en vue de face, on voit bien notre flamme. Mais si je pars en vue de profil, on ne voit plus notre flamme, ce qui est un problème. Pour résoudre ce problème, ce que nous allons faire, c'est dupliquer cette flamme en appuyant sur les combinaisons de touches Shift D. Ensuite, nous allons faire une rotation RZ de 90 degrés. Maintenant, si on repart en vue de profil, on voit notre flamme. Si on repart sur la vue de face, on voit notre flamme. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, de la commander parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.